Donc salut à tous, c'est Tomzito pour un autre épisode de Borderlands 2. Donc on s'était arrêté suite à la quête. Donc je sais que mes vidéos ne font pas beaucoup de quêtes à la suite, c'est souvent une. Je découvre le jeu en même temps que vous. Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Donc, là... Allez, déchire-les, ouais, voilà, vas-y. Je te laisse, vas-y. Voilà. C'était des êtres humains, avec des familles, et... Non, c'est pour rire. C'est ça qu'il faut que je récupère ? Qu'est-ce qui arrive à Elena Spear? Ok. Nous nous sommes emparés du train qui traverse le Dust. Si tout se passe bien, nous serons à Sanctuary dans un jour. Hyperion n'a envoyé aucune troupe de New Haven à notre poursuite. Et une tempête de sable recouvre leur avant-poste le plus proche. Il nous faut juste... Vous tous! Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de Paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de étalon du cul? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Ah là, le crêpe, celui-là. Trouver le journal audio. Ok. Donc c'était une quête qui était cachée. Alors normalement, je suis monté de niveau, j'ai un petit point de compétence à mettre quelque part. Alors il serait ici. Par là le journal. Alors là, il y a un petit cadenas. Salut tout le monde. Comment ça va? C'est Jack. Bonjour Just. Salut Jack. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, vous vous appelez comment? Pierce. Eh bien, mademoiselle Pierce. Dites-moi que ce n'est pas madame Pierce. Ça me briserait le cœur. Ce train ne vous appartient pas. Ça vous dirait de me regarder quand je vous parle? Ce train a été légalement réquisitionné sur l'ordre de... Couille de ferraille! Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Trouvez le journal suivant. Ok. Qui serait là? Ici? Ça serait sur le toit à mon avis. Vas-y. Écoutez ma petite dame. Yes, bingo. Je sais pas comment vous appelez. Racontez-moi pourquoi vous vous êtes passé la tête à la ponceuse et je vous laisse tous partir. Tout de suite. Mon mari m'a offert une perle de Skag en anneau. La perle libérait des phéromones provoquant la faim. Ah, vous savez quoi? Je suis désolé. Et il est où votre mari, là? Il est mort. Ça fait vraiment de la peine. Au moins, vous avez quelque chose en commun avec lui, maintenant. Oh, le salaud. Le salaud de Jack. C'est d'être là dedans. Non. Ce serait carrément à l'intérieur. Oh, un cadavre. Tuer, c'est ça? Quelle tristesse, quelle tristesse.
Venez me livrer les messages Echo quand vous aurez un moment de libre. J'ai un moment de libre, j'arrive tout de suite. Tiens mon brave. Alors. Soit ça. Alors. Bah ça y est, pas photo hein. Qui fait plus 15% dans les. Dans les coups critiques, bah on va le mettre. Dégâts corps à corps plus 50%, ah, c'est pas mal aussi ça. Mais ça, ça donne des trucs explosifs, alors c'est mieux. On va mettre celui-là. Je vais peut-être en vendre quelques-uns là avant d'être à court de place. Ouais bah du coup ça... Rien de compliqué. Puissant cloud qui me sert à rien. Alors là j'ai 3 pistolets, je calque. Celui-ci il a rien donc on peut le vendre. Ces deux-là, je vais peut-être les garder. Je reçois toujours. Alors, on continue, on avance. Et là, nous allons enchaîner sur. Bah, il en reste plus qu'une, de toute façon. On va aller ici. On va tout explorer. Allez. Qu'on lui prenne cher. Ouais. Ah, ils ont pris cher. T'as tout de ma gueule ou quoi? D'accord. Je vais te guérir l'acné au petit blanc. Je vais te faire payer. Ouf, ouf, ouf. Ça gagne pas beaucoup, hein. Ah, y'a un gun là. 13, ouais, c'est pas la peine. Vas-y, hein. On continue. Je te dois quelques explications.
Le poney en diamant dont je t'ai parlé, c'est un cheval en fait. C'est pas une sculpture. Il est tout couvert de... Tu sais quoi? Je vais le chercher. Étalon du cul! Étalon du cul! Viens dire bonjour! Étalon du cul te dit bonjour. Merci. C'est boum boum! C'est boum boum! C'est-à-dire? Balancez la sauce, les mecs! De vroom, Ok. Mitrailleuse en place. De lui. Oh là, t'es sérieux là? Disposer à présent d'une grenade, ouais. Une belle jambe. Oh! Allez, passe-moi ça. Voilà. J'ai bien mon coco et j'ai besoin de reprendre des munitions. Voilà. Putain, pour un coffre qui est assez planqué, il fait 4$ dedans. Tu vas attendre mon coco. Inventaire plein, d'accord. Toi au son apaisant de ma voix.
peut-être prendre une belle, toi. Saloperie de porte verrouillée. Ah, je sais. Sbire, mets-toi au canon. Fais-moi péter cette porte, mais... Sécurité, c'est compris? Si tu détruis cette porte tout de suite, je vais être très très cabossé. Alors attends. Je m'en fous. Je vais te montrer où tu dois tirer quand je me sais pousser. Vengeance! Parce que tu m'as fait avec le coup du grillage lors d'une autre mission. Tire de couverture. Ouais, je crois que c'était fini. Mais. Allez, couvre-moi. Ah, ça en va la tourelle. T'as vu ça, nanana. Ah, j'ai une lame comme ça, mais qui est moins puissante, je crois. Ah, tu vas rire. Il se peut que j'ai quelque peu fomenté une mutinerie contre le capitaine Flint avant la glaciation express. Ce qui explique que ces gars me cassent la figure. C'est ça, les gars? Ta gueule! Ok. Oh, tous les emmerdes que tu t'es fait. Qu'est-ce que c'est on accélère. Ça me trappe un nouveau sbire. J'avoue que l'autre petite admerde me manque. Les bruits qu'il a fait quand on lui a foutu le feu. J'en pleurerai. J'ai fait une pizza au doigt, rien que pour toi. Viens, sois-moi confortable. Terre pas froid. C'était le sang que je connais. Le sang. Eh ben voilà.
Ça, ça sent l'embuscade, ça. Tourelle déployée. Ici le capitaine Flynn. On n'a toujours pas retrouvé mon claptrap. Ce salopard a réussi à s'enfuir. Mais c'est Eaton qui me sert de bonhomme à torture. Ah, c'est un coffre à armes, ça, je crois. Ouais, non, y a rien. Au troisième hurlement de Eaton, il sera exactement 2h30. Voilà. La tourelle sert pas mal quand même dans ce jeu. Bon bah on continue. Ça c'est le point de contrôle. Ce petit robot, si je meurs, je réapparaîtrai là. Enfin, on peut pas appeler ça un point de contrôle, on va appeler ça un... C'est bien mon matériel. Ouais, ça je vais le prendre parce que si jamais j'ai plus de munitions du tout, ça peut toujours servir. Thank you.
Voilà. On a une proposition pour vous deux. Toi et Clappy, vous devenez nos victimes de torture à vie, et on vous tue pas. Réfléchissez! Prenez votre temps. Explose! Je vais te mettre en pièce! C'est un peu difficile. Il est con ce robot. Bon bref, là tout ça, ça me sert à rien. J'arrive, clip trap. Oui. Mon nouveau sbire est une vraie brutasse. Tout à fait. Voilà. T'es où, Flynn? Ah, faut que je suis le robot. Je peux pas monter les escaliers. Trouvons un autre chemin. Je te porte. Une grue, trouve les commandes. Oh, je pense à la gueule. Ah, moi je vais monter les escaliers, c'est pas grave. Manière.
C'est un joyeux bordel. Quand je vais être trop loin, ça marche pas. C'était pas de la tarte celui-là. Ok, ok. Où est-ce qu'il est ? Prends ton temps, Sbire. Attendre sur une plateforme immobile est mon troisième passe-temps favori. Juste après pleurer et danser. Je monte. Ah, t'es content ? Bah, c'est où ? Ah, la maison ne rembourse pas.
Oh, sans déconner. Oh, c'est ce machin là-haut. Montre-toi, Flint. Ton unité Claptrap est revenue. C'est nos petits bonhommes à torture, les gars. Ça va chauffer. Oh là. Captain Flint. Je suis désolé, Capitaine Flint. Non, ne me reprenez pas. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, je pourrais le tuer comme ça, mais c'est ce que je vais faire, le tuer comme ça. Oh, le coup critique. Ah. Ouais. C'est quoi ce délire? Racontez-moi tout. Je m'étoile. Oh l'arnaque! Oh la putain d'arnaque!
un effet secondaire de notre technologie. Pas supérieur à hyper-hyper, mon cas. C'est bon, là, vous avez morflé, là, ça m'énerve. Sentinelle en place. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à rejoindre mon vaisseau. Le voilà! Le plus beau des vaisseaux! Descends-le tout de suite, marin d'eau douce!